Oui, ça va, on arrive. Et boum, vous êtes choqués, on est déjà là. Hop. Attends, est-ce qu'on était en live? Je pense, hein, je nous ai vus là-bas. Ah, très sens, fort. On a le chat. Bonjour à tous. L'émission a commencé. Je vais répondre. Qu'on augmente Maxime. Je pense qu'on est en live. Je pense qu'on est en live parce que... Je pense qu'on est en live. Mettez ouais. Le VIP, ce mec. Mmh. Vous le mettez VIP. C'est vrai qu'ils disent beaucoup de conneries quand on est en live. Pour le coup, là, j'en ai pas encore pas vu. Mais ouais, c'est okay. Vrai que des fois okay. Ça peut non, arriver. J'ai cru, mais j'ai cru. Un jour férié, normalement, c'est, voilà, c'est 700 balles mais mon ouais. Apparition. On en parlera après, si tu veux, le live. Double c'est... Max, oui. Max. C'était mieux dans l'open space. Une OP. Et non. Et toc. Ah, t'es choqué, c'est pas une OP. Il est venu par gentillesse. Et non, oui. C'est juste que je suis en mode. Tiens, je vais te montrer un truc, on va voir si c'est rigolo. Oui. C'était mieux dans Open Space? Je sais pas. Parce que nous, dans Open Space, des fois, on dit des trucs. Oui. Et au moment où l'émission démarre. T'as la. Vous pouvez entendre des dingueries et nous, on est en mode. Ah, bah, faut qu'on arrête de parler. C'est puis il y a aussi l'autre truc, c'est que quand même, il y a des gens qui comprennent rien, qui sont là pour la première fois parce qu'il y a quelqu'un qui fait une émission quoi, qui passent derrière. Qui sont un peu filmés, tu vois, alors qu'ils savent même pas, exactement. Ils savent pas qu'ils sont live. Alors que là, tu vois, quand ils passent dans le couloir, là... On s'en fout, on les entend pas. Là, il sait, tu vois, non. Il sait pas. Non, il sait pas. mais on l'entend pas. On s'en bat les couilles. Mais on, eux aussi. Bon, Max, il y a 1m50. T'avais peut-être des trucs à raconter. Du coup, j'allais dire... Alors, par rapport à la taille, on va clore le sujet une bonne fois pour toutes. Sachez que je fais 1m85. C'est pour vous dire, le gars, comme il est grand, comparé. Tu fais 1m... Mais non. Ta gueule. Je fais 1m85. Donc en fait, Max Zidane fait 2m10. 2m10, c'est énorme. C'est énorme. J'ai arrêté le basket parce que j'étais trop grand. Et ouais, que c'est ça. C'était pas drôle pour les autres. Tu tapais le panier quoi. En fait, tu as pas le droit de faire du basket à partir du moment où tu n'as. Si t'as pas besoin de sauter pour toucher le panier, ouais, ils te disent arrête, c'est nul. C'est ça. Tu sais que, histoire vraie, j'ai fait du basket quand j'étais petit. Pourquoi personne m'a dit, frérot, fais du foot. Fais autre chose. En fait, quand j'étais petit, je me rendais vite fait compte que les autres étaient quand même un peu plus grands, tu vois. Mais pas de ouf. J'étais en mode, non, au calme, tu vois. Ça passe. Pourquoi quand je me suis inscrit au basket, c'est des chiens qui m'ont pas dit, frérot, non. Le sport idéal pour les petits, en général, c'est souvent les trucs. Alors, ouais, le foot, parce que t'as le centre de gravité un peu bas. Mais sinon, c'est tous les sports où t'es sur un truc. Donc, genre. MotoGP, équitation, ouais. Pilote de F1, tout ça, vrai, quand t'es petit, c'est trop bien. C'est vrai. Parce que moi, je fais 1m70, mais il y a aussi les géants, frère. Ouais, je suis 1m90. Frère, ouais, 1m70, c'est petit. C'est 1m90, c'est très grand. Là, vous avez vraiment le 1m85 de bras. Ça passe. Fallait pas que je lise tous les chats non plus. Pas que je lise tous les messages. Question. Est-ce que pour le bifou, je vous donne un petit Salut. Challenge. Comment ouvrir cette bouteille? Ah, mais je sais très bien comment ouvrir cette bouteille. Donc, je dis rien. Voilà. Je kiffe beaucoup ça, tu connais pas? Comment on ouvre cette bouteille? Bah en fait j'avais juste envie de regarder ce qui est écrit là. Non. Ah bah j'ai pas le droit d'être intelligent, c'est nul alors. Un indice, normalement il devient pétillante si je dis pas de conneries. Oui. Là il est pas pétillante. Donc en gros faut ouvrir ça. T'as regardé le schéma, t'es vraiment... T'as regardé le schéma? J'ai regardé vite Mais tu vois c'est un tricheur de fou genre. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment donné... Non mais c'est ça, toi tu l'entertainment tu t'en as rien à foutre, toi c'est la gagne en fait. Tu me demandes un truc, je réfléchis, je fais. Voilà mais réfléchis mec. Alors c'est pire parce que si tu trouves pas... J'ai l'air très con. T'auras l'air encore plus. Déjà juste le plastique, l'épreuve elle a pas commencé. Déjà le plastique c'est pas mal. Ok. Alors, et une fois que t'as ça... On sort de manga sûr, donc je vous ai ramené des trucs. Mais non, j'ai pas goûté. Là c'est des Kit Kat japonais à... C'est goût cheesecake. Donc voilà. Attends mais tu régales, non sérieux, t'as amené tout ça? Ouais, là on a des musk melon. Non, arrête de tricher putain. Non mais c'est un ouf hein. Je comprends rien en plus, tu vas te faire mal. Aïe. Ça c'est au melon. Oh je vais goûter ça, moi je peux. Regarde, il a pas de force. Oh non, t'es une merde. Attends, c'est bon, je l'ai. Ok. J'ai un honneur quand même. Ouais, ça sent bon. Et je pense qu'on est pas mal. Oh là là. Ça c'est très très. Alors celui-là je le connais pas. Ok. Mais il y en a certains que je goûte qui sont très très. Et maintenant. T'as été obligé de tricher. Hein. Moi je t'ai dégoûté toi, parce que j'ai. T'as triché. Ça va faire une dinguerie. Ouais. Ça va exploser en fait. C'est vrai. C'est quand même un cocktail. Molotov un peu. Non, c'est dur. En vrai, plus fait un. Vu que c'est un. Tu vois. Ah oui, non, zéro force. Non, en vrai, c'est dur. Non. Non, mais surtout, tu fais ça sur une table. En vrai, je trouve ça dur de fou. Après, moi, je sais pas l'exemple. Et boum. Et là, c'est pétillant de fou maintenant. Oh la pute. Allez. Allez, tiens, elle est venue foutre la merde. Truc, ça en met partout. Bon, bifort. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon au moins? Ah, mais attends, tu peux pas le voir là. C'est citron.
Vu la couleur, c'est pas naturel, je pense. Comment tu bois cette merde? Les bois, au goulot. Ah, mais c'est pas un goulot, c'est un trou au milieu. Mais non, c'est pas exprès. La bulle, elle va retenir tout le gaz pour pas qu'il s'échappe. Goûte ça, c'est trop bon, t'as goûté? Non, melon, moi c'est. Non, vraiment, c'est trop bon. Moi, c'est poubelle ça. T'as l'impression de grailler un vrai melon. C'est impossible à boire. C'est pas boire. Mais c'est vrai, bah en fait, faut le boire comme ça. Mais tu kiffes là, tu prends du plaisir là. En vrai, c'est bon. Mais tu peux pas enlever le truc bleu? Le truc bleu? Bah non, non j'ai pas réussi. Wesh, mais frère, ah oui. C'est dangereux. En fait, dès que tu fais ça. Mais c'est bloqué, ouais. Ça bloque la boule. Mais attends, comment tu fais? Ah, attends, il faut pas. Et du coup, le gaz reste. Bah oui. Et du coup, à chaque fois que tu veux reboire, faut repercer et ça refait pss. Mais. Comme ça. Mais c'est pas con. C'est pas con, mais c'est. Par contre, c'est impossible à boire. Ah ouais? Non. Bah attends, mais t'es obligé de la sucer comme si t'aspirais son air ou quoi, la bouteille? Bah maintenant que j'ai mis la bouche dessus, tu peux pas me montrer, mais en vrai. Mais c'est pas fait pour, c'est pas un goulot de mais bouteille. Si, mais bois normalement. Qu'est-ce regardez, que tu je suis désolé, c'est pas un goulot normal. Voilà, je veux pas faire le. Mais moi j'en ai déjà bu, j'ai pas eu de problème pour boire. Mais quoi, déjà. Mais je dis pas que celle-là, mais celle-là est différente. Ah, attendez, regardez en gros plan comment il boit, mets-toi de profil. Il voilà, a voilà, 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 regarde, là c'est bon là. Mais frérot. Voilà, là tu veux boire là. Là ça marche là. Ça déborde, je m'en prends plein la gueule, je te jure. Il est comme ça. Regardez-moi ce gourmand, il en met partout. Dès que je redescends, ça me regicle la gueule. C'est un enfer, meuf. Ouais, ils se sont un peu pris la tête. Ils auraient pu, genre, mettre une canette, tu vois. Non, ouais, hey. On va être ravis. C'est filmé, c'est, on est d'accord, c'est pas moi, hein. S'il vous plaît, s'il y a Rizzo qui dit un truc, c'est pas ma faute, mais. Mais comment tu bois? Mais t'es indiqué. Mais je peux pas boire autrement. Ça en met partout, sinon. Putain, quel enfer, c'est. Eh ben, salut, comme on dit chez moi. C'est que des trucs. Ça, c'est super bon, mon gars. Goûte-toi. En vrai, t'as l'impression de grailler. T'as l'impression de grailler un melon de fou. La technique, non, vraiment, ça sent super. C'est vraiment comme un melon. Putain, j'en ai plein les mains, ça colle. Mais ça, je le ramène chez moi en discreto, je vais le mettre dans mon slip, je pense, en partant. Ça, je suis pas serein, je vais vendre. Alors, là, il faut que je vous montre. Oh merde. C'est quoi? C'est quoi que tu vas lui faire goûter? C'est très bon pour la santé. Mais c'est vrai que c'est pas bon dans la bouche du tout. Non, mais c'est goût de quoi? Quand c'est bon pour la non, je... quand c'est bon pour la santé, non, c'est dégueulasse. Non. T'as du courage? Non. Aucun. Ah ouais, d'accord, donc si je vois pas ce que je bois, c'est mort. C'est du thé. Du thé à quoi? Au burdock. Mais non, il veut pas te dire pas c'est quoi, il va pas boire. C'est pas animal. T'as mal odeur. Non, mais va te faire enculer. Non. Non. Amène la bouche. Non. Viens. Tu vas appuyer sur la bouteille, je vais me mettre. Non, je te jure, je ne ferai pas ça. Il y a du matériel qui coûte très cher. Non, elle veut juste te dégoûter parce que ça va pas être bon. Ça a la ronce. Ça sent la terre. C'est dégueulasse. C'est un goûter. Tu vas goûter, il a goûté. Écoute-moi bien, c'est goûter, c'est bon. Goûter. Tu vois la terre, vraiment dans la forêt. C'est des racines. Tu poses pas de questions, c'est bon pour la. Mais j'espère que tu m'as rallongé la vie parce que franchement c'est dégueulasse, hein. Mm. Enfin, c'est goûter, c'est de l'eau de plante ça, tu vois. C'est quoi ce gingembre? Bah honnêtement je sais pas, ça a un goût de terre. On est d'accord. Si je mangeais de la terre. On est d'accord. Avec de l'eau. Que, genre tu vois, vous arrosez les plantes et il y a un vase en dessous. Vous récupérez l'eau. Qui ça est passé entre les trous. Stop. Vous récupérez le substrat. Comment tu sais le goût que ça a? Bon, séquence suivante, on va goûter ça. J'ai goûté, mais c'est dégueulasse. T'as pas un bonbon, ça dénature. Ça m'a sauvé la vie avec du menthe. Ouais. Et par contre, le bonbon au melon. Le bonbon au melon est exceptionnel. Non, vraiment, écoute, on a goûté ton truc à la terre. Non, maintenant tu vois, j'ai goûté ton truc à la terre. Ça me dégoûte le melon. S'il te plaît, regarde ce qu'on a mangé. Zoul, tu veux goûter? Non mais viens devant la caméra. Je vais goûter. Ah et après, il va mettre Google Lens et il va nous dire ce que c'est. Tâcher. Non c'est trop bon vraiment. À quelle heure c'est je goûte un truc qui a ce. Après si t'aimes pas, si t'aimes pas le melon, bon. Mais c'est bon, ça a vraiment le goût du melon. Ça a pas le bon goût du melon du sud quoi. Oui bah non. On dirait de l'eau pas bonne. De l'eau à la terre gros, c'est vraiment vas-y, ça. Vas-y, traduis. C'est un goût de terre quoi mon frère. Mais c'est chelou hein. Mais c'est du burdock tea. Attends. Tu t'en sors? Traduire. L'autre grosse journée, thé de bardane au début de l'automne. C'est une énigme.
à résoudre. Idéal pour que le thé de Bardane soit plus savoureux et agréable. Ah, mais 100% domestique. C'est un truc à rajouter. Non, mais le soulèvement des machines, c'est pas pour demain. Ouais, non, vraiment. Fou, hein. Le thé de Bardane. Déjà, il a compris que c'est le coréen, c'est pas mal. Thé de Bardane, c'est quoi? Par contre, hé, gros, ça. Non, ça, c'est une dinguerie. Là, je le ramène. Hein. Ça, par contre, je t'avoue que ça, j'ai pas envie. C'est du musk melon. C'est quoi la différence? Je sais pas, ça me fait penser à Elon Musk. C'est peut-être ça. Ça là, j'ai pas envie. Ça, je vais pas mentir, j'ai pas envie. C'est de la bouffe. Ça a l'air chimique de fou. Mec, ça. Ouais. Non, en vrai, t'as goûté ça? Tu l'as déjà bouffé? Non. Mais il est ouvert. Mais je l'ai ouvert pour te le donner. Non, mais c'est parce que j'ai les mains mouillées. Ah bon? Bah ouais. Ted, t'as goûté cette dinguerie? Non. C'est un classique. Je sais pas t'expliquer à quoi c'est. C'est trop bon. Bah, on n'a pas mis la bouche, je peux y aller. Enfin, si, on a un peu mis la bouche, je vais pas te mentir en fait. Ah, vous avez mis la bouche? Un peu, ouais. Ouais, un peu. Vous avez bien mais mis non, la bouche. Attends, peu, ouais. Fait. Ah, il a su on a un peu mis la bouche. Ah, okay. Ça, j'ai bien mis la bouche. C'est une dinguerie. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais j'adore, elle me le met direct dans le gosier. Mec, je sais pas, je pourrais pas te dire c'est quoi, c'est trop bon. C'est incroyable, ça fait. Tu sais, c'est vivant. Tu vois la terre, l'eau avec de la terre. Et tu grailles ça. Oh c'est là la nature, là. Ça. Tu vois les bonsaïs. Tu prends de la terre, tu la grailles. Ah, mais c'est de la. Oui. C'est de la pareil. Merde. C'est de la merde. Ah, oui. Mais personne. Non, bah non, non, non. Tu ramènes pas ça dans ma taverne. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ça, ce bonbon, tu ne l'as pas su sauter? Non, je l'ai sorti et de ton pourquoi truc. Il mais est parce humide, qu'il alors il fait chaud, c'est canicule et tout, ça a un peu fondu. Mais... Bon, j'ai peut-être un peu su ça avant. Allez, bon récap. Ça, c'est comme si vous avez roulé une pelle, merde. C'est un peu romantique, je trouve, ouais. Non, mais c'est ça. Une petite tension, le Covid n'est plus là, hein. Ça se sent, hein, je tiens à te le dire. Hein. Ah, on s'emmerde beaucoup moins. Hein. Ah, mais c'est vachement bon, ça, par contre. Non, ça, c'est une dinguerie. Oui, ça, c'est bon. Par contre, ça... Ah, c'est vrai. Kit Kat Cheesecake, faut aller se faire foutre. Pourquoi? Ça, faut aller se faire foutre aussi, parce que ça a l'air vraiment dégueu, regardez. Ça a l'air bon, ça. Ça, j'y vais pas, ça, j'y vais pas, ça. C'est quoi, ça? Non, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des compés, des Kit Kat à la crème regarde, italienne. La perle, elle peut pas tomber du coup. Non, elle reste bloquée. Mais à l'envers. Ouais, on dirait. Ouais. Tu es où? Je comprends pas la réaction chimique. C'est genre le gaz, il est où à la base? Je sais pas. C'est pas pétillant de base. Ah, franchement, les gars, ça là, ça-ci est la pire invention du game. Hein. Ah ouais, non. C'est vraiment horrible. Et ça, par contre, des Kit Kat au flan. Au flan? Au cheesecake. Ah ouais? Au cheesecake, ouais. En vrai? Inintéressant. J'en ramène deux pour. Jette-le, le laisse pas là, en fond. Non, mais tiens, ça va fondre. Non, mais mon chat. Non, mais j'en veux pas de vos merdes. Non, bon. Moi, je vais finir. De toute façon, moi, tous les trucs asiatiques comme ça, ouais, quand on nous en envoie, je suis en mode. Bah, en pour fait, ça diabète va juste finir. On a cut. Ah, c'était au manioc. Ah, c'est manioc. Putain, ça a cut de fou. Koh-Lanta, il bouffe ça. Faire le truc. En vrai, c'était drôle. Attends, Koh-Lanta bouffe ça. Bah, je pense que c'est même moins bien, mais. Je pense que c'est un genre de. Vraiment, c'est manioc. Un truc à la terre, gros, c'est terrible. Vous voulez que je mette ça où? En fait, j'étais pas loin, je pense que le manioc, c'est une racine. Oui, c'est une racine, bah clairement. C'est ça, c'est vos racines.